Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore un retour de course, je vous retrouve pour des achats à Lidl. Ben, après, quand on est nombreux, ben, ça va plus vite, forcément. Allez, je vais tout de suite démarrer par 6 bouteilles d'eau pétillante. Oh, pétard. Ce matin, tout me lâche des mains. J'ai pas assez dormi. J'ai pris un jus de kiwi. Apparemment, les gosses, ils aiment bien ça, donc je leur ai repris. Des lardons. Avec des lardons, on fait toujours quelque chose. J'aime bien en avoir, et là, j'en avais plus. J'ai repris 3 fois 6 œufs XL. J'aime bien cela. Je reviens toujours à cela. Ça sent la pâtisserie. Non, là, non, ça veut dire... Je sais pas. Un jus de fruits rouge avec des pommes light. Il n'y a pas un autre jus, non. Bon. Des yaourts nature à la grecque, ça aussi ça va vite. Hops. Chorizo, c'est celui-là que je préfère. Ici, hein. 3 jambons comme ceci. Un jus d'orange. Je crois que j'en ai pris 2 du reste. Des dés de jambon pour faire une salade de pommes de terre. Du saucisson comme ça. En entrée avec des cornichons. Je voulais acheter une salade, elles n'étaient pas jolies. C'est dommage, j'avais envie de manger de la verdure. 2 plaquettes de beurre. 1 sachet de 4 fromages. J'ai pas repris des mentales parce qu'on en a pas mal. Des cacahuètes avec du miel pour l'apéro. 3 mozzarella. Ça part à une vitesse de... Putain, il y a un truc qui coule ou quoi? Bon, il faut que je fasse attention. 2 fromages de chèvre, 2 bâtons. 1 tube de concentré de tomates. Et 2 cubes de levure. Je vais faire mon pain de mie. Je suis en train de chercher le truc à couler. Parce que si c'est ça, je le balance. Mais non, apparemment, c'est pas ça. Il est pas ouvert. Là. Je vais bien l'essuyer. Non, c'est pas ça. Bon, je chercherai après. C'est pas ça. Il y a un truc qui a coulé. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui a coulé. Bon, allez, j'arrête de chercher. J'ai pris des petits cookies pour les enfants. Des petits gâteaux aussi comme ça pour les enfants. Pour le goûter, c'est bien à la piscine. C'est pas mal. Ça, je le sors. Ça, je le sors. Voilà la deuxième bouteille d'orange. Mince. De la pulpe de tomate. J'aime bien celle-là pour faire les pizzas. Je garde, moi, mes coulis de tomates pour faire autre chose. De la maïzena, j'en avais plus. Du produit vaisselle. Et pour terminer, des oignons. Donc, voilà. Et j'en ai eu pour 70,42 €. Bon, j'ai pas de viande. J'ai de la charcuterie, j'ai du fromage. Voilà, on va faire des petites entrées parce qu'il fait tellement chaud que bon, je vais manquer de crudité, de salade, de choses comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous laisse. Je vous reprendrai certainement pour des petites images derrière, mais je ne sais pas quoi. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Il est 7h30 ce matin. Regardez comme j'ai encore pas mal de poivrons. J'ai les fleurs de courgettes qui arrivent avec les petites courgettes en dessous. Là-bas aussi.
On voit qu'il y a encore de la courgette, c'est incroyable. Bon, ça par contre, les aubergines, je sais pas ce que ça va donner. On voit bien là. Ce pied, il aura bien donné. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours un ou deux pieds qui donnent bien. Et les autres, ils sont rachitiques. Aujourd'hui, je vais enlever aussi des poireaux. Hier soir, j'ai fait une soupe. Les tomates, elles commencent à s'abîmer. Il fait trop chaud. Mais bon, j'ai encore des pieds qui sont jolis, mais j'ai des pieds que je vais enlever là. Tous ceux qui sont devant en façade, je vais les enlever. Et je vais garder ceux du fond. Ils sont plus jolis, je ne sais pas pourquoi. Ils sont plus verts. Donc voilà, mon petit jardin du matin. J'y ai pas travaillé, j'ai rien foutu. Après les petits pois, je pense pas que ça va produire quelque chose. Mais bon. On verra bien. Donc voilà. Je vous retrouve, on est, je sais pas, jeudi je crois. Je sais même plus quel jour on est. Un truc de dingue. Au saut du lit. Je me filme au saut du lit. Ben, le matin, c'est... Le matin, ça me ressource. C'est tellement beau. C'est tellement calme. J'aime bien faire mon petit tour le matin. Là, je vais arroser avant que le soleil il soit sur le jardin et qu'il cogne. On a des grosses chaleurs. Regardez le matin comment c'est brumeux. Bon, c'est calme quand même. Là, j'ai ma tondeuse qui m'attend. Ça repousse. Là, j'ai fait les bordures. Et là, j'ai pas fini. Je suis en panne tout le temps. Il me reste ce morceau à faire. On n'a pas fini d'un côté, qu'il faut déjà recommencer de l'autre. Ce matin, c'est opération ménage. On va se motiver et on va nettoyer. On a des grosses températures en ce moment, il fait très très chaud. Bon, c'est bien, hein, on profite de la piscine et on peut en profiter jusqu'à tard le soir. Jusqu'à minuit, on peut se baigner tellement qu'il fait chaud. Mais bon, faut pas trop que ça dure, hein, parce que... Franchement, ce temps, c'est incroyable, quoi. Donc, je vais vous laisser. Et puis, voilà, je vous ferai peut-être quelques images de ma journée. Je sais pas. En ce moment, je passe beaucoup de temps en cuisine. Donc, je sais pas trop. Bon, allez, je vous laisse, je vais arroser. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai mis Georges dans la piscine. Oh pétard, qu'est-ce qu'il fait? Oh, je vois un bracelet là-bas. Je vois un bracelet au fond, ouais, il va le choper. Avec les enfants, il y a des trous dans la piscine. Bon, ça va franchement. La piscine à débordement, c'est top. Hein, parce que... Ça fait... Attends, il faut quand même que je pousse un peu le fil. Oui, je sais pas ce qu'il fout là, mais il n'est pas dans le bon... J'ai l'impression qu'il est à l'envers. Ah, ça y est, il se retourne. Bon, il va falloir que je le chope et que je passe le fil. Ah.
Bon, voilà, j'ai remis le fil dans le bon sens. Il peut partir bosser. Mon Thibaut, il a pas vu encore l'aspirateur. Quand il va le voir, il va être à 10 000. Je vois un caillou là-bas. Bon, ben voilà. Bon, voilà. J'ai nettoyé le spa à l'intérieur. Bon, il commence à changer de couleur, le plastique. Il est plutôt jeune. On s'en sert plus l'hiver au garage. Quand les enfants ils viennent, on leur met le spa que l'été. Là, j'ai mis à sécher. J'ai passé un coup de jet, mais ça va pas suffire. Bon. Et là, j'ai vu que mes petits pois, si on regarde bien là, ils vont peut-être donner quelque chose. Hein. J'ai mis ça comme ça, en me disant j'en aurai pas. Mais qui sait ? Affaire à suivre. J'ai encore des tomates qui arrivent. Ma brouette. J'ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai toujours. Faut que je m'y mette. Là. J'ai encore un petit concombre qui arrive. C'est pas joli. Hein. Les tomates, elles ont, ça y est, elles sont malades là. Non, moi ça. Mais bizarrement, elles ne sont pas mauvaises. Et celles de derrière, elles sont plus jolies. Bon, voilà, je fais pas plus. Pour ce matin, je suis déjà en nage. Dès qu'on bouge, ouais, quand même pas. Mais c'est, voilà. Je vais nettoyer ma petite cuisine. En même temps, je ramasse les citrons qui tombent. Bon, allez, je vous laisse. Puis je vais vous reprendre plus tard, tout à l'heure. Je suis allée chez le boucher pour faire un barbecue. Je voulais faire un barbecue aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, j'ai acheté un kilo de merguez et un kilo de saucisses. J'ai pris une belle côte de bœuf. La viande, elle est vraiment jolie. Ils mettent ça dans des plastiques, c'est chiant. Voilà, une belle côte de bœuf. Je vais la faire mariner avec des herbes de Provence. Et tout ci et tout ça. Et j'ai pris un kilo de viande hachée de bœuf parce que je veux faire des lasagnes. J'en ai eu pour 44,53 €. La côte de bœuf, elle était à 25,20 €. Je sais pas si c'est cher ou pas, la côte de bœuf. Et elle fait 1,3 kg. C'est pas mal quand même. S'il en reste, je ferai un hachis parmentier avec le reste du barbecue. Ça marche bien. 10,49 €, c'est le kilo de viande hachée. C'est à 9,95 € le kilo. Ils ont augmenté de 1,80 € la viande de bœuf. Et les saucisses, c'est à 6,99 € le kilo. Et j'en ai 1,3 kg. Donc 8,84 €. J'ai acheté des lasagnes aussi. Les lasagnes, c'est à combien les lasagnes? €2,85. Ça va? C'est bon. Bon, bref, j'en ai eu pour 47,38 € à la boucherie. Donc voilà, j'ai pris une petite salade. Je vais faire une salade avec des lardons et des croutons pour accompagner mon barbecue. Puis voilà quoi. À midi, je sais même pas si je vais faire le barbecue à midi ou ce soir. Ouais, je sais pas. Bon, je vous laisse. Je vais vaquer à mes occupations, me mettre en cuisine certainement. Puis voilà, je vais voir la troupe ce qu'ils veulent manger
ou pas, et puis je vous reprendrai très certainement. Je vous retrouve en cuisine. Je suis en train de cuire mes petits pains de mie pour ce midi, pour manger, pour avoir un peu de pain, puisqu'on n'est pas sorti. Et puis ce soir, je ferai des croque-monsieur avec mon pain de mie, et puis une petite crudité. Et puis voilà, ça sera nickel. Je ne vous ai pas repris au final pour vous faire des images. Bon, en même temps, il n'y avait rien de fou, hein, toujours un petit peu les mêmes choses, hein, en cuisine. Je reste basique. Je suis en train de préparer ma sauce pour faire les lasagnes. Et puis les lasagnes, ça sera pour demain midi. Et puis là, pour ce midi, je vais faire la côte de bœuf. Finalement, je vais la faire au ninja parce que hier soir, on a fait saucisse merguez avec des spaghettis. Donc voilà, des fois, des fois, j'achète de la viande et je me dis, je fais ça, je me programme comme ça. Et au final, il faut allumer le barbecue, ça prend beaucoup de temps. Et puis bon, voilà, on se baigne, on profite et on n'a pas envie de s'embêter à allumer le barbecue. Donc du coup, je fais faire. Bon, du coup, je vais faire ça au ninja. Donc voilà, je viens de me baigner avec les enfants et Joël, elle est en train de se baigner aussi avec les petits ou de se faire bronzer, je sais pas. On va manger là-bas, donc c'est bien, il y a la vaisselle. Et voilà, tranquille. Bon allez, je vous laisse. Du coup, il y aura juste les retours de course et puis pas d'image, mon petit blabla en cuisine. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. J'espère que pour une prochaine, ça sera de la marche. Ça me manque, j'ai envie de faire une petite marche. Bon allez, ciao ciao.